I'm having a golden-colored bowl of couscous as if I was in northern Africa. But I'm not. I'm in Candiac in Quebec, near Montreal, at an historical point of the city where two cultures have met. Thanks to the high quality of the Canadian wheat, Majid Jamaluddin and his family are producing one of the best couscous in the world. Majid was born in Casablanca, Morocco. Even back then, he was making couscous with Canadian wheat. T'as créé ta première usine de couscous au Maroc. Ça va bien. Pourquoi déménager au Canada? C'est à partir d'une bonne semoule qu'on obtient un bon couscous. Le blé, c'est le Canada. Le couscous que vous faites avec le blé canadien, il y a un goût, il y a une couleur différente. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a de tout. D'où? Il y a la couleur, il y a le goût. On obtient, à partir du durum, un taux très, très élevé de la semoule, plus que 76 %. Donc, c'est pour ça qu'il est reconnu mondialement. De la semoule, vous, vous en importez beaucoup des prairies canadiennes. Tout à fait. On reçoit à peu près une cinquantaine de wagons. Comme celui-là, là? Comme celui-là. C'est ça qui arrive ici? C'est ça. Comme ça, de l'Ouest canadien, ici? De l'Ouest, il arrive ici, il est transformé, après ça, il est exporté. Puis vous exportez beaucoup maintenant? On fait plus que 60 % de notre chiffre à l'exportation. To make couscous, you need semolina. And this semolina is grown and produced in the Canadian prairies. Once the semolina is boiled and stirred, the grains stick together in little balls. They're cooked at a high temperature, and when they are ready, they are separated, dried, sifted, and cooled. Then they're packed and shipped all over the country, in the States and in Europe. Le plat marocain, couscous, il rassemble la famille. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, presque tout le couscous qu'on mange, peu importe le nom sur la boîte, c'est vous qui le faites. On fait la majorité, quoi. Bon, on est vraiment très fiers. Un jour, la planète au complet va manger du couscous canadien. Merci. Numbers are impressive. 60% of the production will be sent to grocery stores all over North America. 400 tons of couscous will be sent to Europe. All in all, Zinda exports annually over 3,000 tons of couscous. That's enough to make more than 12.5 million packages of couscous. That is why they are the best.